Je m'appelle Marika, j'ai 30 ans, je vis avec mon amoureux Michael et mon bébé Antoine qui a 8 mois. Ça va faire 7 ans bientôt qu'on est ensemble, moi et mon amoureux. Ça faisait 2 ans et demi que moi et Michael on essayait pour avoir un bébé. On a même été consultés en fertilité ici à l'hôpital, là. Mais finalement, ils n'ont rien trouvé. Ils appellent ça une infertilité inconnue, parce que tout était correct de son côté et du mien aussi. Quand c'est arrivé, dans le fond, c'était une grossesse. Là, je l'ai su, j'avais pas de symptômes, rien. Là, j'ai été chanceuse, il y a des femmes qui ont des grossesses avec vraiment beaucoup de symptômes. Ce qui a vraiment comme changé le cours de l'histoire. À l'échographie de morphologie, quand ils regardent vraiment toutes les mesures et tout ça, que là, ben, on a appris la nouvelle qu'Antoine avait une malformation au cœur. Les cardiologues, dans le fond, eux, ils voyaient une transposition des gros vaisseaux. Fait qu'eux, c'était sûr et certain que le bébé devait être opéré dans ses premiers jours de vie. Nous, puisqu'on est de Baie-Comeau, ben c'est ça, on n'avait pas le choix d'aller à Québec pour l'accouchement. Parce que, dans le fond, ce qui se passait, c'est que, vu que Antoine était dans ma bedaine, c'est moi qui le fournissais en oxygène. Par contre, quand il allait sortir, là, il devrait gérer son oxygène lui-même. Donc, il voulait pas que j'accouche ici comme par mégarde puis que finalement, il me transfère à Québec. À 36 semaines, j'ai déménagé à Québec. On avait loué un petit appartement. Puis finalement, j'étais déjà dilatée à 3 cm puis effacée à 80 %. Ouais, vraiment, là. On m'a donné de l'ocytocine pour essayer de faire avancer le travail, sauf que ça faisait décélérer le cœur d'Antoine. Là, tourne d'un bord, tourne de l'autre. Tu sais, là, la médecin était comme, ah, d'après moi, ça va finir en césarienne. Puis j'étais comme, mais rendu là, comme, je veux juste que tu le sortes puis qu'il aille bien. Je sais que quand Antoine est sorti, il était bleu. Tout ça, moi, j'ai pu voir Antoine, dans le fond, 3 heures après avoir accouché. Tu sais, il y a des mamans qui pleurent en voyant leur bébé puis tout ça. Moi, j'ai juste comme... On dirait que c'était comme pas réel, là, tu sais, de le voir avec comme les fils. Puis, tu sais, il y avait un fil dans son nombril. Tu sais, il était comme intubé aussi pour l'aider à respirer. Fait qu'on dirait que c'était comme... C'était mon bébé, mais on dirait que je le réalisais pas vraiment. Tu sais, j'étais comme vraiment sous le choc, là. Ils ont décidé que son opération serait le 6e jour de vie à 8 h du matin. Antoine est rentré en salle d'opération. Puis c'est juste à 7 h le soir qu'on aurait eu les nouvelles. Quand on a vu le chirurgien, lui était full content de l'opération. Il nous expliquait que le cœur d'un bébé, quand il a peur, là, c'est gros comme une noix de Grenoble environ. Le cardiologue nous avait dit qu'une malformation comme lui, c'était environ un mois d'hospitalisation. Par contre, ce qui est arrivé, c'est qu'Antoine, il y a eu d'autres petites malformations qui se sont ajoutées. Fait que finalement, le 1 mois, que tu dis, bah ben, 1 mois, on, tu sais, ça va le faire, on va s'en sortir, est finalement devenu 4 mois et demi. En tout, il y a eu sa première grosse chirurgie pour régler vraiment en tout son cœur. Après ça, ils ont dû l'amener, dans le fond, faire un cathétérisme qu'ils appellent pour essayer d'agrandir son aorte. Quand il avait réagrandi l'aorte, en cicatrisant, ça s'était rapetissé. Donc là, il n'y avait pas le choix d'aller réagrandir. De vivre dans l'incertitude, de jamais savoir quand est-ce qu'on sort, de se faire dire que peut-être tu sors la semaine prochaine, que finalement non, que tu ne sais pas vers où tu t'en vas.
Tu ne sais pas si tu peux retourner travailler parce que là, il faut quand même ramener de l'argent à la maison. Puis finalement, ça dure quasiment comme presque 5 mois. Ça a été très, très dur, là. On pouvait compter les heures puis les jours au fur et à mesure. Tu sais, financièrement, de un, Mickaël était supposé recommencer à travailler. Mais là, vu que ça a comme pris une tournure différente, il n'est jamais retourné au travail. On était les deux sur le chômage proche aidant, mais le chômage, on le sait, c'est long avant d'avoir avoir nos montants. On n'aurait pas été capable. Tu sais, tu es là-bas, tu vis déjà des moments difficiles, puis tes factures n'arrêtent pas. Là. C'est ma mère qui a eu l'idée de faire le GoFundMe, mais pour vrai, je m'attendais pas à ce que tout le monde donne autant. Je voudrais vraiment dire merci aux gens qui ont donné, puis même qui ont partagé ou qui ont donné des 1$. Tu sais, je veux dire, c'est déjà beaucoup de savoir qu'on avait autant de gens qui nous appuyaient puis qui étaient là. Tu sais, ça donne de la force aussi. Là, fait que merci beaucoup à tout le monde qui ont donné. Là, c'est vraiment, vraiment apprécié. Après l'opération, il y a des moments où on était super. Tu sais, les médecins étaient là, waouh, ça a super bien été, tout va bien. Puis, tu sais, le lendemain, on pouvait se faire dire, oh, tu sais, comme là, Antoine, ça va pas bien. Puis, tu sais, on s'est même déjà fait rencontrer pour se faire dire, si jamais il arrive quelque chose, c'est pas parce qu'on n'aura pas tout essayé. Tu sais, là, il y a un moment où on a failli vraiment le perdre. À ce moment-là, on dirait que je me suis pas laissé le droit de vivre mes émotions parce que fallait que je sois forte pour mon bébé. On dirait que c'était pas ma vie, je sais pas comment le dire, mais on dirait que tu viens comme un peu déconnecté. T'as de la peine, t'as de la rage, j'ai passé par toutes les étapes, mais on dirait que tu veux pas les vivre, ces émotions-là, parce que tu peux pas. Mickaël pourrait vous le dire, là, c'est rare qu'on parlait de comment on se sentait ensemble. Tu sais, je pense qu'on essayait de juste pas penser à ça quand on était là-bas. Après 147 jours, c'est là qu'on a eu notre congé d'hôpital, finalement. Là. Notre première nuit en tant que parents en dehors de l'hôpital, on l'a passé au manoir Ronald McDonald juste à côté. On était comme. On sort, mais tu sais, quand ça fait 4 mois et demi qu'il y a une petite cloche rouge, là, Antoine était monitoré là, 24-7. Fait que nous, on était habitués. Ah, OK, son rythme cardiaque est à ça, il dort. Ah, OK, son rythme cardiaque est environ à ça. T'sais, c'est correct. Cool. Mais là, tu sors avec ton bébé. Qui a plus de moniteur, qui a plus rien. Puis tu te dis, OK, il y a un problème cardiaque, moi j'ai rien pour savoir là, s'il va, tu sais, s'il est pas correct. Là. Puis quand on est revenu ici, pour vrai, ça faisait tellement du bien, là, mais en même temps, on était tellement anxieux parce que on avait des médicaments et gavage aux 2 heures, donc jour et nuit. Fait que c'est beaucoup pour les parents là, de s'habituer à toute cette routine-là. On y faisait des injections subcutanées aussi. Fait que moi, pour vrai, en arrivant, ça a été la même chose. Là, comme je roulais sur l'adrénaline à 100 000 à l'heure. Je te dirais que ça fait 3 mois et demi, presque 4 mois qu'on est revenu, puis je commence là à réaliser qu'est-ce qui s'est passé, à réaliser que ça a vraiment été un gros moment de notre vie. Sinon, ben, il a son tube de gavage parce que, c'est ça, il n'a pas pu boire au biberon dans ses premiers mois de vie, donc il a perdu son réflexe de succion. Ce qui est difficile aussi en région, c'est qu'il n'y a pas tous les services qu'on a besoin. Comme exemple, mettons Antoine, il a un tube de gavage. On a une infirmière qui vient à domicile, elle est excellente pour plein d'autres choses, mais les infirmières ici ne sont pas formées pour des cas spéciaux comme ça. Donc, mettons, c'est déjà arrivé quand on arrache son tube, on n'est pas capable d'y remettre. Là, t'appelles, il faut aller se rendre absolument à l'hôpital parce qu'eux, ils n'ont jamais fait ça. En situation un peu de crise, tu te sens loin. Là. C'est arrivé qu'on appelle à Québec parce que on n'était pas capable d'avoir du matériel ici, on n'était pas capable d'avoir des sacs, on n'était pas capable de gavage, on n'était pas capable d'avoir des tubes, donc il a fallu que Québec nous dépanne, puis une chance qu'ils sont là, parce que, tu sais, c'est pas fait, on dirait, pour avoir un enfant malade, des fois, en région, là, c'est ça qui est difficile aussi. On est capable de faire venir des choses de la Chine, mais de Québec, faire venir des médecins, des soins, des appareils de soins pour un enfant, c'est compliqué. Puis s'il y a une urgence, ben on doit être transféré en avion ambulance.
Donc ça aussi, c'est tout le temps un petit côté qui vient nous rendre plus anxieux. Mon chum a recommencé à travailler. Donc là, je me retrouve à toute seule quand on était toujours deux depuis des mois. Ça demande vraiment beaucoup d'adaptation. Vu qu'Antoine a été couché pendant comme ses 4 premiers mois de vie, il y a eu un retard de développement de motricité globale. Motricité fine, il est à son âge là, normal. Mais tu vois, il y a 8 mois, puis il ne se tourne pas encore du dos au ventre ni du ventre au dos. T'sais, il travaille vraiment très fort, mais ce qui arrive aussi, c'est que, que son corps est comme au 3e percentile, mais sa tête au 25. Fait que là, ce qui fait que sa tête est vraiment lourde pour son petit corps. On voit la physio à chaque 2 semaines. Puis on a l'ergo dans le dossier, l'ostéopathe. Pour vrai, ça l'aide vraiment parce qu'on voit vraiment beaucoup d'amélioration. Il s'améliore super rapidement. Je pense qu'on n'aura pas le choix de s'adapter à la réalité de nos jours. Puis, c'est sûr qu'Antoine va demander des suivis encore réguliers pendant quelques années. La porte n'est pas fermée pour qu'il se fasse réopérer. T'sais, non, il est plus malade, mais son cœur est quand même différent, puis il a été quand même réparé. Donc, est-ce que il va avoir une opération plus vite que prévu? On n'espère pas, on le souhaite pas, on n'envoie pas ça dans l'univers, mais tu sais, veux pas, en tant que parent, tu le sais que ça reste un peu comme dans le dans l'idée là, derrière la tête, mais on espère que ça soit vraiment plus loin. Antoine, je le surnomme mon guerrier parce que on l'appelait déjà comme ça dans ma bedaine. Je pense qu'on a commencé à l'appeler comme ça quand on a su pour la malformation. Là. Puis c'est toujours resté parce que pour vrai, il s'est battu pour sa vie. Là, il voulait, là, je veux dire, il était branché de partout, il était full sur les gros médicaments. Il ouvrait les yeux quand il entendait notre voix. Tu voyais qu'il voulait comme vraiment se battre. Là. Fait que c'est ça, c'est resté son petit surnom affectueux. On a même fait faire une petite pouperie en son honneur de petit guerrier. On l'avait à l'hôpital là, avec nous. Fait que, lorsque ça a été des moments les plus difficiles au niveau d'Antoine à l'hôpital, les opérations et tout, moi, la façon de gérer mon stress, c'est beaucoup en amenant du rire, des rigolades, des niaiseries, des conneries. Je suis un peu un petit clown, donc ça nous a aidé aussi à passer au travers. Puis depuis qu'on est rendu à la maison, c'est des moments qu'on vit ensemble, des fous rires qui nous prend. Des fois avec Antoine, des choses qui fait, des mimiques qui fait que ça s'explique pas, mais quand tu le vis, c'est juste des beaux moments que tu te dis « wow, ça reviendra pas », donc tu vis le moment présent. Puis ça, c'est quoi qu'on a appris aussi avec Antoine, de vivre le moment présent. Pour vrai, ça va bien à la maison, Antoine s'adapte super bien. De plus en plus, on enlève des médicaments, son gavage, on essaie de boire au gobelet, donc tranquillement, pas vite, on s'en va sur la bonne voie, mais on va aller au rythme d'Antoine. C'était ça qu'il disait à l'hôpital, puis on a continué de le dire à la maison aussi.